Je suis en mesure d'affirmer aujourd'hui que je suis quelqu'un du peuple. Au moment où on tourne ça, c'est le 16 mars, les amis. Nous sommes à l'arrivée bientôt des beaux jours. Ça fait très plaisir, le retour du printemps, la meilleure saison. Et dans le premier épisode, vous avez dit « Oui, mais Zach, on n'entend pas bien ce qu'ils disent les rappeurs dans les vidéos. On aimerait bien entendre un petit peu mieux ça. » Et bah, ce sera chose corrigée dans cet épisode. Et ça me fait plaisir, ça fait toujours un truc écouté de plus que ce que le gouvernement vient de nous servir. On envoie des petits trèfles politiques comme ça, c'est bon. Oh, on aime bien, on aime bien. Deuxième épisode, les amis, du thread des mensonges de rappeurs. C'est pas exactement que des mensonges d'ailleurs, mais je repose un peu le contexte. Nos amis les rappeurs, vous savez qu'en interview, ils aiment bien soit être pas intéressants du tout, soit nous balancer des fois des petites dingueries et des dingueries issues de leur vécu, vécu dont ils témoignent dans leurs textes et qui peuvent être des fois réels ou alors un peu romancés, voire carrément mytho. Mais en plus d'avoir de temps en temps des petits mythos, on a également quelques petites phrases qui sont pas spécialement mensongères, mais juste drôles. Je garde le titre, les mensonges, mais vous capter qu'on va pas voir que des mythos. Je fais tout ce qui est déconseillé par le manuel de YouTube et notamment avoir des intros à rallonge. Alors j'ai vu qu'avec MrBeast c'est très bien d'avoir des intros de 9 secondes où tu prends direct le mec, tu l'emmènes dans la vidéo. Je suis un OG moi, j'aime bien encore avoir des petites intros où je parle et ça me permet notamment de faire des choses par exemple comme vous parlez du sponsor du jour. Vous croyez quoi? Si vous avez passé plus de 2 minutes dans votre vie sur YouTube, vous connaissez forcément Red Shadow Legend et en plus petite anecdote, j'ai été sponsorisé par eux en 2019. Nous sommes en 2023, c'était même pas encore la mode. Ok, un champion épique. Exclusif, toutes les infos et le lien sont dans la description. Et ouais mon gars, depuis ces 80 millions de téléchargements, t'as jamais joué sur mobile, et ben voici un jeu qui peut te permettre de te lancer dans un truc qui est actif et qui a une très grande communauté. Attends, attends, mais ils fêtent leurs 4 ans. Et leurs 4 ans c'était en 2019, la première fois où j'étais sponsor. Bah oui, on peut dire que je suis un OG avec eux. Pour leurs 4 ans, il y a des tonnes de cadeaux, des offres dédiées, des cadeaux gratuits, des codes promo et également des événements in-game pour fêter ça. Comme dirait mon frère Joël, tout ce que ta femme aime, n'hésitez pas à aller checker ça. Mais ce n'est pas fini, attends! Pour les nouveaux joueurs, vous pouvez bénéficier d'un pack spécial en utilisant mon lien en description pour vous inscrire. Cela vous permettra de jouer le champion épique du jeu, Kellan Le Paille. Il a l'air puissant, ce mec. Mais vu qu'on a décidé de régaler tout le monde, si vous avez déjà le jeu, si vous êtes déjà un joueur, il y a du coup également un petit code promo dans la description et ça va vous permettre de pouvoir recevoir un tas de bonus in-game, donc ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à checker ça, toutes les informations sont à la description, c'est également avec des partenaires comme ça qu'on peut vous balancer des petits projets, des petits bails, vous connaissez le kiff, vous n'avez pas à être déçus. Merci à Red Shadow Legend de me suivre pour cette vidéo et nous, on va pour le thread, c'est parti. Je l'avais déjà fait pendant un thread foot, mais de temps en temps, quand j'aime bien un thread ou quand j'ai une idée de thread, j'attends pas qu'un mec me le fasse, on le fait nous-mêmes avec un compte fantôme qui s'appelle Thread Footinho. Bon, là, on n'est pas sur du foot, mais on est quand même sur une belle pépée, et ça fait plaisir. Dédicace à Hugo, le frérot qui travaille avec moi, on se crée nous-mêmes notre matière. Commençons en légende, le fameux pompe de Kalash Krimi avec Nekfeu. Avant qu'on démarre, parce qu'on va l'écouter celle-là, il y a un mec en stream, il m'a dit, ouais, sur ton épisode du thread des rappeurs, ça se voit, tu chargeais pas trop vénère, parce que t'avais peur qu'on te retrouve. Et moi, tu vois, ça m'a un peu piqué, parce que c'est vrai. Vraiment, on vanne, mais avec courtoisie. Attends les gars, j'ai déménagé à Paris, on peut me retrouver facilement. Moi, j'aime bien vanner, mais j'aime bien la paix aussi. Perte de couilles, ce mec perd ses couilles. Mais on va du coup commencer avec peut-être pas l'un des moins dangereux du lot, Kalash Krimi, let's go. Incroyable, Nekfeu, il est venu tout seul. C'est-à-dire qu'on lui dit, ouais, viens au studio et tout, vas-y, j'arrive. Ouais, il est, vas-y, viens et tout. Il arrive tout seul à 18h avec sa clé USB, tac. Il bien. À 4h du matin. Carré, 10h d'enregistrement, il va tout seul dans le studio de Kalash. Au calme, au calme. Et au moment où il repart, je suis mort de rire. Au moment où il repart, parce que nous on a une cuisine de toute façon. Et il y a un pote à moi, c'est ça aussi la street, frère. Ouais. Il y a un pote à moi, il avait un fusil. Quand quelqu'un dit c'est ça aussi la street, tu sais qu'il y a dinguerie qui suit. Ouais. Il y a un pote à moi, il avait un fusil à pompe. Et Nekfeu il est dodo, et il est dodo, il a son fusil à pompe. Et Nekfeu le tape dodo, il dit ouais frérot, je me barre, et il se retourne avec le fusil à pompe. Oh Nekfeu, vas-y, on s'attrape frérot. Hein. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles, t'appelles Krimi. Nekfeu était là, t'inquiète frérot, on s'attrape. Et Nekfeu m'a même pas parlé de ça. Et c'est mon frérot, il m'a dit wesh, c'est une dinguerie, j'avais le fusil et tout, quand il y avait Nekfeu. Et Nekfeu, comment il a réagi à ça? Ah, mais il l'a pas dit. Tranquille, oui, lui-même, il m'en a même pas parlé. Bah oui, t'en as pas parlé, bah normal, tu m'étonnes. Alors celle-là, je pense pas que ce soit un mensonge, j'y crois, d'accord. Mais alors déjà, le côté petit nettoyage de fusil à pompe. Pas 4h du mat comme ça. Hein, en plus, je dois être complètement sobre en le faisant. Bon, clin d'œil, hein, je pense qu'on se doute de l'état du gars. Mais j'avoue, t'es à place de Nekfeu. Ouais, salut Krimi, ouais, salut l'ingé son, salut. Ah bah tiens, on dit salut à tout le monde. Wesh le frérot. Ouais, gros, bah écoute, salut, hein, si t'as besoin de nous, t'appelles Krimi. Ouais, bon, je peux comprendre qu'il a dû avoir un petit coup de chaud. Mais que vu que Nekfeu, il aime bien s'encanailler aussi un peu dans ses sons, il aime pas passer non plus pour le fragile du siècle. Bah, il allait pas dire à Krimi, ouais, chelou, ton pote le pompe et tout, tu vois. Donc normal, il dit rien, parce qu'il y a une attitude à garder. Sans mentir.
Nekfeu, il a dû avoir un petit coup de chaud quand même. Rof malaisant prend la tête à tout le monde avec son téléphone de merde. Alors, celle-là, je crois que... On l'a déjà regardé dans un thread, sans mentir. Mais c'est le classique Rof qui va présenter son téléphone et en fait... Oh, attends, on a une variante! Rof malaisant prend la tête à tout le monde avec son TikTok de merde. Oh là. On peut TikToker, mais pour devenir toqué, poteau. On peut TikToker, mais pour devenir toqué. Mais ça veut rien dire en plus, vraiment, il me fume, mon Rof. Tu captes vite son délire. C'est un délire un peu d'ancien, qui peut être un peu légèrement dépassé par certaines évolutions des réseaux et compagnie. Et après une très longue carrière, bon, c'est pas étonnant non plus. Mais j'avoue que de temps en temps, ça peut donner des trucs un petit peu cringe. Mais rien que pour la vidéo où il dribble, là, en fait, il fait ses jongles avec le petit ballon qui rebondit et le pied sur le teco, je suis prêt à lui pardonner quand même de très grandes choses. Tu connais le contexte, quoi, tu vois. C'était PMP, voilà, il y a la marque Danew, personne connaît cette marque, je sais même pas si elle existe encore. Oh là, Danew Electronics, 22 avis Google, ils existent encore, très bien. Ça, ça a pas l'air d'être un truc de clown non plus. Et qui s'est associé à un rappeur, ancien rappeur très glorieux pour réussir à faire quelque chose qui a du marketing, tout ça machin. Et du coup, lui, il va présenter ça à TPMP. Le problème, c'est déjà TPMP pour aller présenter un truc, c'est chaud. Alors maintenant, TPMP, il y a beaucoup de débats politiques. Hein. Là, à l'heure actuelle, TPMP en France, il y a quelqu'un qui chie sur une table au lycée, tu le retrouves le soir même, c'est Cyril. Mais alors, à l'époque, c'était terrible parce qu'à l'époque il y avait moins de politique. Mais là tu viens présenter un téléphone, une séquence sérieuse qui a dû coûter cher pour la Mac avec Rof en commercial, entre deux séquences où t'as Gilles Verdez qui se met un poing dans le cul et Mathieu Delormeau, la truc d'après là, qui te met des tartes, c'est difficile. En fait je me suis associé avec Danew qui est une... Je peux pas dire la marque, donc il faut que je dise voilà, donc avec une marque, d'accord, avec Danone on va dire, c'est des marques de yaourt, d'accord. C'est aussi pour ça que je suis habillé comme ça, parce qu'à la fois j'étais flouté. Monsieur, en plus, tu sens qu'il a fait l'effort. Et tu vois les produits et tout. Moi, je connais les émissions, les gars. Les émissions, il y a toujours des briefs pour faire des trucs de marque. Et très souvent, il y a des briefs un peu gênants. Et là, je trouve qu'on est dans le brief gênant. Tu vois. Fait tout, il est très beau. Voilà, il est là, présent. Il est là, c'est bon. Classique. Ok. Celui-ci, c'est le mien. Non, okay, de toi. Je vais prendre celui-là. Pourquoi le mien? Parce que j'ai envie d'avoir le tien. Voilà. Eh ben, merci. Eh, bah, tu sais quoi, t'es un amour, mon Rof. Alors, non, mais. Qui apparaît, c'est une première mondiale, qui apparaît au dos du téléphone. Pas au dos de la boîte. Voilà, le R qui fait les notifs dans le dos du téléphone, c'est absolument terrible. Et le pire, c'est que tu le sens que dans ces briefs-là, il y a des mots-clés, des choses à dire. Typiquement, même moi, dans mon intro sponsorisé, il y avait des choses à dire, des mots-clés, tu vois. Mais là, le mot-clé, c'était rien à envier au téléphone haut de gamme. Il le répète plusieurs fois. Il est aussi performant que le téléphone d'haut de gamme. Ouais, merci. Donc, grande marque. Bah, très bien. Et bah... Et en fait, ce qui est vraiment terrible dans la séquence, c'est que personne le relance spécialement. Genre, ils sont 12 autour de la table, à part Cyril qui le laisse balancer un peu son char. Il y a personne qui pose des vraies questions ou un vrai bail. Parce qu'en même temps, tu sais que si tu lui poses trop de questions, ça peut poser problème. Et vraiment, ce qui me fume, c'est les applaudissements du public. Tu regardes les gens derrière, il a envie de se flinguer. Elle s'est jamais autant fait chier de sa vie. Elle, bon, elle est paumée. C'est trop drôle. Il devait avoir le prompteur. Applaudissez! Il m'a dit quoi? Ouais, NASA, quand il était petit, quand il dormait au salon, il se réveillait au salon. Est-ce que t'as compris pourquoi maintenant? Tu sais, dès que j'ai compris ça 2 jours après, j'allais mourir. Parce qu'en fait, toi, quand t'étais petit, toi, quand tu t'endormais au salon, tes darons, ils te portaient, ils te ramènent dans ta chambre. Vous êtes des bâtards. Non, c'est mort. Vous êtes des bâtards. J'ai compris ça après. Vous êtes des bâtards. J'ai mis l'effort. J'avais pas compris. Je dis, c'est quoi cette vieille vanne, wesh? Et j'ai regardé, je dis, je crois, il l'a mis comme ça en fait. Il me l'a placé en douce. Je vous le dis, en tant que gros, en dehors des classiques insultes, gros porc, machin, voilà, là, on n'a plus d'originalité, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup plus de sujets dans la vie avec une variété de blagues que pour dire à quelqu'un qu'il est gros. Tu vois ce que je veux dire? Ou pour valider quelqu'un sur son poids. Là, vraiment, on a atteint le paroxysme, tu vois. C'est magnifique. Les gens ont une créativité sans limite sur le sujet. Et c'est toujours mieux quand on le prend à la cool, tu vois. En même temps, on le prend à la cool quand on force pas de ouf. Tu vois, quand les gens sont forcés un peu, j'avoue, ça peut être chiant. Mais là, là, la vanne, elle tue, frère. J'aime pas. Après, quand je suis dans des restaurants comme ça, je mange que des gambas. Les gambas, c'est trop bon, les gambas. Mais toi, tu sais pas c'est quoi des gambas? Non, je sais pas c'est quoi. Mais si j'ai bien compris, c'est du poisson, c'est bien. Mais il est trop con, frère. Ah ouais. Mon gars, faut que tu sors du quartier où on va. Ouais, faut que je te ramène au Vieux Port à Marseille, ah ouais, là, dans des bons restaurants. Ouais, ouais. Ah non, 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 non. Le fait que Koba, numéro 1 spécialiste dans les séquences un petit peu débile, drôle, et quelqu'un encore plus bête à côté qui arrive même pas à savoir c'est quoi une gambas. Non, la séquence, elle tue. La séquence, elle tue. Il a raison, Koba. Sors un peu du quartier. Ouf,
tes sens, là. Là, ouf, tes sens. Franchement, débat parallèle, les gambas, des fois, quand ça sent trop la mer, là, t'as l'impression d'avoir avalé une liche du porc. Non, 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 on peut pas. On arrive, on voit des gars, là, dans le métro, tout ça. On a pris leur téléphone, tout ça. Mais non. Bah ouais, on a abusé. Ce genre de mec. Bah, c'est pas bien. J'ai abusé. Moi, j'ai caché mon tel. Non, mais j'étais petit, j'avais 16 ans. Et là, maintenant, t'as quel âge? Là, j'ai 24. Moi, ça va. Le temps a passé. Après, t'as vu, bah oui, j'avais 16 ans, on a pris les téléphones. Ouais. Il y a un pote à moi, il avait déjà au moins 500 euros. Il m'a dit, tu sais quoi, tiens, vends-le, je te le donne. C'est-à-dire, maintenant, pouf, comme par hasard, on arrive quoi à Barbès. Je descends, je vais voir les rebeux de ça là, tu vois. Je lui donne mon téléphone, le gars, il lève la tête, il me dit quoi, suivez-moi, c'était un keuf. Mais non, j'ai pété les plombs. Et maintenant, ils ont dit, vous habitez où? Ils ont dit, Creil, tout le monde vient, j'étais yam. Oh, j'étais yam. Du coup, t'étais pas en solo. Mais ouais, eh ben, c'est ça l'idée. J'imagine Creil, et je t'en regarde vers Barbès. Les darons, ils auraient dit quoi en plus? Bah ouais, mais mon daron, il est venu me chercher. Alors, en plus, un genre de diplomate, un français sérieux. Bah, il est rentré dans le commissariat comme ça. Bonjour tout le monde. J'ai dit oh là là. Tu savais ce qui t'attendait? Ouais, j'ai dit c'est mort. Non. Ah, celle-là. Le too much. Quand t'as l'impression, c'est toujours plus. Il y a une anecdote sur l'anecdote. Ou alors, en fait, on a volé le téléphone, puis après l'argent, puis après à Barbès des rebeux, puis en fait, non, flic en civil au milieu de Barbès des rebeux, puis j'ai dit Creil, les gens, ils sont venus me... Et le daron. Je vous cache pas, le détecteur de peu probable est quand même assez élevé de mon côté. Vous me direz ce que vous en avez pensé, celle-ci, dans les commentaires. J'avoue, j'y crois moyen. Je vais regarder un match de foot. Let's go! Rappeur X-Foot, il y a toujours du lourd. Lance contre Barcelone. On est dans l'hôtel tous ensemble. C'est le meilleur hôtel de Mestella. Tous mes amis m'appelaient, disaient, ouais, viens, on descend. Faut que je monte prier. Je dis, ah, les gars, faut que je prie. Ouais, mais on va rater le truc. Je vais rentrer, bien. Je vais prier. Je ressors de ma chambre. Bien Messi, Neymar, Luis Suarez, Kamaz devant WAM ensemble. Aucune sécurité, aucun personne. Il n'y a personne, il n'y a que nous quatre. Les quatre fantastiques. C'est Suarez, il sort en premier. Je sors derrière Suarez, Neymar après moi, Messi. Ça veut dire que c'est les quatre fantastiques. Ils sont mélangés. Ils sont mélangés, on ne sait pas qui est qui. Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais raté une prière. Mais non! Mais non! Mais non! C'est pas la rencontre au hasard de la... de la MSN qui doit plus te faire rater une prière, frérot. Ouais, bien sûr, je me doute que c'est pas ça, mais la façon dont il l'a jeté à la fin, c'est terrible. En vrai, croiser des stars dans un hôtel, pourquoi pas? Moi, j'ai croisé Eric Carrière. Voilà, bon, c'est pas la même volonté. C'est pas la même échelle, mais quand même. Wesh, hein? C'est l'Espagne, wesh. Ouais, c'est l'Espagne. Oh là. Voilà, c'est l'Espagne, frère. Oh c'est, c'est l'Allemagne. Oh là 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 là. Tuyau de chicha, on voit la moitié de ta tête en live Insta. Oh là là, tu sens, ça va pas parler, ça va pas parler de fission nucléaire. Hein. L'Allemagne, c'est même pas dans l'Europe, wesh. Ah ouais, oh, ça voilà, l'a fait moyen rire. Voilà. Attends, c'est quoi le rapport? Ah, l'Allemagne, c'est pas en Europe, frère. Il y a encore des gens à leur grand âge, ils confondent Union Européenne et Europe, mais alors l'Allemagne, c'est même pas dans l'Europe. Là, on est sur... Aïe, aïe, aïe. Décathlon, grâce à moi, ils ont fait de l'argent. Il y avait un truc de balance à gars, ça m'avait contacté pour faire un truc, puisqu'ils ont des lunettes comme ça. J'ai dit non, je préfère un Décathlon. La tête de ma mère. Je suis habitué... Elles sont belles, hein? Quechua, tranquille. Alors, je suis très content que Decathlon soit revenu au premier plan des marques sympathiques à porter en France à des moments. Decathlon, Quechua et consorts, là. Il y a tout un côté un peu rue, là, qui a rendu ça un peu plus populaire. Mais de là, ils préféraient pas Balenciaga. Je vous propose de manière collective que nous dosons ensemble sur le je veux prouver parce que celle-là, j'y crois vraiment pas du tout, frère. Comment ça s'appelle? Flashball, là? On met des balles de flashball, au moins une douzaine de balles à bout portant. Ah non, frère. Excité, j'arrive pas à tomber, tout, je retombe, je me relève. Maintenant. Ah non, frère, t'as pas pris des balles de flashball. Hein. Non, frérot, 12 balles de flashball dans le corps, impossible. Une fois, j'ai pris un flashball à la fesse. Réforme des retraites 2010, Sarkozy, on se rappelle de toi, tous ceux qui avaient 15-16 ans à cette époque. Là, je parle à une génération qui s'en rappelle. Quand on avait 15-16 ans à cette époque-là, les gars, on était allés faire blocus des lycées et de ça, machin. C'est vrai qu'à l'époque, sans mentir, on le faisait parce que c'était aussi la mode de le faire, tout le monde s'engrainait, etc. Au devant d'une manif, ça m'était arrivé de prendre un coup au huc. Tu prends 12 flashballs, je me demande si t'es pas mort. Hein. Franchement, t'as pu prendre, je sais pas, une grenade fumée peut-être, mais je te jure, t'as pas pris un flashball, mon pote. Bon, ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi. Peut-être un épisode 3 à venir. Qui sait, s'il y a encore des petites séquences comme ça qui traînent, on n'hésitera pas à les utiliser. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez bien sûr pas à aller checker Red Shadow Legends dans la description. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao!